le 91, attention Christophe Carliette est là, et Erwan Leclerc également en seconde ligne. Nicolas Joss aussi, hein, il va falloir être vigilant sur cette grille, elle est très ouverte, cette série en tout cas. Papiote qui était déjà plus qu'à l'attaque l'année dernière, il cherchait absolument les places, en tout cas à chaque fois qu'il était présent sur les étapes du Brest-Lastour. Il en fait tout à l'extérieur et tout en glisse hein, dans le virage 2. Julien Bernard. Julien, il a décidé. On se souvient l'année dernière, la belle prestation étendue sur la première manche, c'était sur ses terres, hein, c'était avant, il a établi une superbe prestation, les voici encore maintenant dessinés. En troisième position, on va observer Jean-Michel avec le cercle numéro 43 et en quatrième, hein, c'est le peloton qui est constitué derrière, voilà, le peloton de chasse. Et puis Tesson avec Jean Roncel. Ça tourne par là. La le peloton et le numéro 24 de Nicolas Joss, ainsi que Nicolas Yerkevin et Vigan. Le carton numéro 12. Allez, il va rester un tour à accomplir pour les pilotes. Christophe Cardiette mène l'annonce. Tranquillement et sereinement. Pour Monsieur Cardiette, attention, on revient très fort là de la part de Julien Bernard. Qui essaye d'en revenir, peut-être la dernière attaque dans la dernière ligne droite. Attention, le leader également pour les 4 minutes.
sur les tremblements. Le drapeau jaune, le drapeau rouge, attention, le drapeau rouge est sorti. Dans le virage 1. Un peu, ça s'est bien bagarré en tout cas dans la ligne droite. Jean Roussel pour avoir pris en tout cas le shot dans cette série. Avec certainement l'envie de prendre tout de suite le cap de Nicolas Josse. Belle réaction, hein, ce matin il avait été pareil, l'un des animateurs dans sa manche. Il est en troisième position, la quatrième place, et la cinquième position. Maxime Bourdin avec la carte numéro 39.
hectomètres. En tout cas, Philippe Tesson s'impose comme le grand vainqueur de la journée. Philippe Tesson était en position favorable sur la grille. Rappelez-vous, lorsque on a fait la présentation, il était belle piste en tout cas pour pouvoir prendre cette étape du Brest Cross Tour. Et vous dispersez pas, venez là hein, pour les 9 premiers, venez là les garçons, venez, vous ferez le monde après, vous connaissez, voilà, 9e place pour Cyril Chon, et 8e place. 43, absolument, c'est bien Jérôme Auxel, tout va bien pour la 8e place pour Jérôme, toi ils sont là-bas, le supporter là-bas, la 8e place. Le 62, est-ce que j'ai bon là-dessus? De 7e place, la 6e place. 6e place pour le kart 71 de Brice Barré. 6e place pour le 71. Le 91 au pilotage de Julien Bernard qui prend la 5e place. Et tournez-vous vers le public s'il vous plaît pour faire votre trophée. La 4e place pour le kart numéro 39. Pour l'instant, tout va bien. On a bon Maxime Bourdin. Maxime. Tac-tac, voilà, Maxime. Maxime Bourdin, 4e place pour Maxime. 7e, 2e. Bon, je ne sais pas, il va corriger ça. Hein. C'est pour ça que je veux tout simplement des choses écrites. La 3e place pour Jérémy Rion-Vallon. Il y a le ballon. Voilà. Il va pas manquer beaucoup alors. Ça va la journée. Et puis celui qui s'est imprimé en tout cas fort et très fort. Fort depuis le début, depuis le shot. Il l'a pris facile Philippe Tesson. Il vient prendre la victoire avec à la 2e place, je l'ai oublié, c'est le quart numéro 5, évidemment. Florian. Florian Quignoux, merci, et puis bien évidemment, j'y viens tout de suite pour dire que c'est lui qui signe facilement la victoire, la première étape du Brest Cross Tour 2014 en carte 600.